Putain, mais je vais me lever à 2h. Ah, je peux pas faire ça. Ouais, non. La Sims, elle a mangé déjà. Fini, s'il te plaît. Je caresse Ptif. C'est pas la Sims qui te câline. J'ai des suées, là. Ça, c'est prévu. Hello, la Dozo Family, c'est Pity, j'espère que vous allez bien, moi ça casse et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, 24 heures dans la peau de mon Sims, j'espère que vous allez kiffer ça d'ailleurs. Dites-le-moi dans les commentaires si jamais c'est le cas. Je vous explique un petit peu le concept de cette vidéo. De minuit à minuit, je vais faire 24 heures où ma Sims fait ce qu'elle fait dans le jeu et j'en fais pareil dans la vraie vie. Ça veut dire que si elle se lève à 4 heures du matin, je me lèverai à 4 heures du matin et la journée se terminera à minuit, donc de minuit à minuit. J'espère que vous avez compris, en tout cas il n'y a rien de compliqué, vous avez juste à mettre des petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Et on se retrouve 24 heures dans la peau de mon Sims, c'est parti, générique. Les petits loustiques, me voilà dans le jeu des Sims. Le seul truc, c'est que j'ai avancé le temps et je vois que ma Sims dort déjà et elle est déjà à la moitié de son temps de dormir. Du coup, là, j'ai vraiment peur qu'elle se lève genre à 2h du matin et elle va faire des dingueries. Putain, mais je vais me lever à 2h. Ah, 7h15. Elle se lève à 7h15. Que la journée commence. Toi, elle fait quoi, un barbecue? Mais... Est-ce qu'on a le droit de faire un barbecue à 16h du matin? Quelle vie, punaise, j'espère que je vais réussir à l'allumer, hein. Bon, allez, c'est parti, hein. C'est quoi qu'elle fait? Elle fait griller du polo à la brasa. À table, les petits loustiques. Ça part en petite vidéo dégustation, les gars. Écoutez-moi ce bruit. C'est bon signe, déjà, ça. Et ça a intérêt à cuire, parce que c'est mon seul repas de la journée, et je remange pas avant 19h, hein. Je suis pas très sûre. Donc à 8h, je mange ce que j'ai préparé à 7h30 du matin. Regardez-moi ça, les petits loustiques. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de manger ça à 8h du matin. Surtout que moi, je suis pas du tout team salé au réveil. C'est parti, hein. 7h58. Je suis pas très fan, mais il faut. Ça va, les gars? Pourquoi ma Sims, elle fait ça dès le matin, là? Mais là, tu sais que dans la vraie vie, bah, je vais manger comme ça. Il y aura les deux petits chiens à côté de moi, hein. 100% sûr. Regardez, il y a qui à côté de moi? Ça, c'était sûr. Ok, donc à 8h23, je débarrasse. 8h30, je joue avec les dozos. Ensuite, elle remplit de la vaisselle. Je vais aux chiottes. 8h53. Pour le moment, bon, mis à part le barbecue à 7h30 du matin, ça c'est chelou. Et attends, mais elle reste un sacré moment aux chiottes, hein? Bien évidemment. Et les petits loustiques, je vais être comme ça dans ma salle de bain. Et on va pas pisser, vous et moi, ensemble, quoi. Et sachez que je vais devoir être comme ça, là, pendant 10 minutes. À l'heure à laquelle je tourne cette petite vidéo, les gars, c'est la fête des mamans. Plein de gros bisous à toutes les mamans du monde. 9h05, elle se lave les mains. J'ai tellement peur là-dedans. J'allais dire, j'ai tellement pas l'habitude d'être dans cette salle de bain là, c'est pas la mienne, c'est celle de Valouze. J'ai tellement pas l'habitude que je fais des dingueries en fait. Ensuite, je vais parler à Valouze, sauf qu'à 9h, Valouze, il est pas réveillé. Alors idéalement, j'aimerais qu'il soit là, voilà, s'il est pas là, ben... Écoute, j'ai une télé, je regarderai un petit truc sur la télé. Et Loulou, il est 9h09 et normalement, je suis censée monter dans ma salle de sport pour parler à Valouze. Et le pire... C'est que ma Sims, il reste 20 minutes. Les gars, Valouze est en train de gérer le son et du coup, bah, je suis trop contente parce que Valouze est dans la salle de sport. Ah, salut. Je peux parler Sims si tu veux. Vas-y, parle Sims. Je viens de me réveiller, hein. Jugez-moi pas. Hein. Papa doux, papa. Ah ouais, je mets le son direct, c'est... Allez, ça sort. J'ai toujours eu l'impression en regardant le clip, c'est un truc de ouf, hein. C'est vrai que bah, ça fait plusieurs mois que c'est passé maintenant et même quand je regarde encore les commentaires publiés récemment, vous êtes encore grave à l'affût, donc un gros bisou pour ça, vous êtes les meilleurs. Ah bah ça va, il est 9h35. Putain, mais ça a passé vite en fait. Ah, elle se barre. 44, elle se barre. Et elle fait quoi là? Oh non, je déteste faire ça. Ah non.
Donc ça veut dire qu'à 9h50, elle est sur le lit en train de regarder la télé. Moi, comme vous le savez, je suis hyper active, du coup j'espère qu'elle va pas faire ça super longtemps. Regardez-la, ça fait déjà une demi-heure. Bah j'ai intérêt à regarder un truc intéressant, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous regardez en ce moment, parce que là je vais devoir charbonner les épisodes, hein. Mais c'est une blague. Mais attends, mais Pids, mais active-toi là. Attends, il est 15h. Il est 15h, c'est pas possible. Ma Simpson a décidé ainsi, chaton. Bah tu te plains, t'es posé dans ton lit. Tu es censé être là, moi, ou pas? Toi, non. T'es pas avec moi, chaton. Ah, donc je vais te laisser 6 heures solo. Ouais. Bon, bah moi, c'est l'heure de me réveiller, hein. Je vais passer à tes commandes. Hein. Et pas triche, hein. Les gars, moi, je suis l'arbitre. Je vais être en bas. Si je la vois en dehors du lit, j'allume la caméra et je vous le dis. Notez sur 10 mes chaussettes. Il y a une petite ressemblance ou pas? Il y en a qui pourraient se dire, ouais, elle se plaint et tout, alors qu'elle est 6 heures dans le lit, c'est bidon et tout. Ouais, mais vrai. Moi, vous savez mais très Pidia bien. Mais Pidia, elle est hyperactive, elle peut pas le faire. Ouais, vous savez très bien. En fait, je me dis que là, bah, je vais être comme ça pendant 6 heures. Et vraiment, je vais avoir l'impression de perdre mon temps. J'ai envie de dire, c'est parti, les petits loustiques. Oh, t'as ta petite série. Oh non. Non, non, pas dans le noir. Non, pas dans le noir, parce que ça fait vraiment la meuf qui a pas de vie. Bah ouais, bonne chance. Reviens dans une heure, hein. Polisseux, valouse, rendez-vous. Il y a du rebondissement de ouf sur la série. Je suis à fond dedans. Je pense bien que je vais rester jusqu'à 16h, les gars. les gars, je monte. Elle est plus au lit. La télé, elle est en veille. Elle est où, la Sims, là? Pile. Les loulous, je vous jure, c'est pas ce que vous croyez, hein. Je suis descendue pour aller chercher une petite bouteille d'eau. Et j'ai reçu un petit appel visio. J'ai répondu dehors. Mais je suis toujours au lit. J'ai grave le seum parce qu'il fait archi beau. Et je sais pas, ma cible, ça n'aurait pas pu faire du jardinage ou être dans le jacuzzi, je sais pas moi. Non, je dois rester 6 heures en train de regarder une série. J'entends Valouz avoir été quelque part. Vous savez où est-ce qu'il a été? Salut. Au McDo. Et est-ce que tu m'as pris un truc? Ouais non, ta cible, ça l'a mangé déjà. Oh, j'ai super faim et j'ai envie de me laver là, je me sens crade. Qui a dit que je devais uniquement regarder ma série? Il y a la vidéo du Mich là qui est sortie à 11h15. Et bien on va regarder le Mich. Il est même pas 16h mais je quitte ce lit avant. C'est fini là, je m'épose à cette série. D'ailleurs, petite parenthèse, elle est très très bien. Vraiment plein de rebondissements et tout, elle est cool. Ça y est, c'est terminé le chillage dans le lit. Le jour où je tourne cette vidéo, c'est un dimanche. Ça fait vraiment très dimanche, hein. Vraiment la meuf pas lavée, pas maquillée, en mode chill total, 6 heures dans son lit, enfin c'est typique ce que Valouz fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, elle parle avec Valouz. Bonjour chatouni. Pas badou. Si t'es tout dit pas lavé, hein. Ouais, ma Sims, elle est 6 heures dans un lit, en revanche pour prendre sa douche, elle met 20 minutes. Bah 20 minutes pour une douche, en vrai c'est bon. Hein. Bah attends, c'est lourd quand même. Hein. Bah je dois me préparer, je dois faire mes cheveux, je dois me maquiller. Ah ça fait 20 minutes qu'on parle. Bah, oh bah les balous. C'est comment ils disent? Papadou. Attends mais jusqu'à quelle heure elle va rester assise là? Mais attends mais ma Sim c'est vraiment une fainéante dans ce jeu. Jusqu'à 17h. Ça veut dire que je suis une demi-heure assise sur cette chaise. Là ça y est, je dois m'asseoir. J'ai très faim, il est 16h30. Bon, ça va vous sinon? J'espère que vous kiffez cette petite vidéo. Moi, en vrai je pensais que ça allait être plus simple que prévu. Et je vais enfin prendre ma douche. Oui. Ça veut dire à 17h16, je prends ma douche. Il est 17h12, enfin, je peux m'orienter vers cette petite salle de bain. C'est parti pour la petite douche. Petite transition, dernier flow, et bam. Les gars, ça fait du bien de se laver. En plus, j'ai un petit peu oublié l'idée de manger. Et ensuite, elle fait pas qu'elle va... Oh, elle va dans le bureau de valise. Oh non. Coucou. T'as beaucoup été avec moi durant cette vidéo 24h. Bah j'ai l'impression, ouais. C'est parce que comme on est amoureux, bah ma Sims elle est aussi amoureuse de toi et du coup on est souvent ensemble. Je regarde le stream de Domi et je cherche des cartes Pokémon. Pas, mets-toi derrière, hein. Ah, t'es déjà occupé, je vois. Bah, y'a un petit problème. Les loulous, on est dans le bureau de Valouz, alors on va pas jouer à son PC, mais si encore mieux, on va jouer au simulateur de F1. Je suis trop contente, j'ai jamais testé en plus. Du coup, c'est l'occasion. Eh bien, écoutez, 17h42 et c'est l'heure de tester tout ça. Et c'est incroyable. Bon, écoutez, les petits loustiques, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie. On dirait trop, je suis présentatrice, non? Ah! Ah, je me suis pris un poteau. Ah! Ma petite doudouce, je suis en pleine course, là. Les gars, en vrai, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf, surtout que j'avais jamais testé ça.
Mais grave cool, franchement, au final, je commence à grave kiffer cette journée parce que c'est des choses que j'ai jamais fait. Franchement, là, je suis en plein kiff, là. Là, j'adore, les gars. Miss Doudouce, je rêve ou... Tu pilotes et dans le voiture, là. Ouh là, lila, lila, loup, ça y est, enfin, la fin du jeu des Formule 1. Il a dit que j'étais nulle, Valouze, mais juste... C'est pas vraiment amélioré, hein. Mais... C'est la première fois, c'est normal, on débute, c'est comme pour tout. Ensuite, qu'est-ce que tu fais, Pidi? Elle va cuisiner. Ah bah oui, parce que je vais avoir la dalle, là, clairement. Qu'est-ce qu'elle va cuisiner? Oh, des macaronis au fromage. C'est exactement ce qu'on va manger, hein. On va commencer à faire les petits macaronis cheese, parce que vous savez très bien que ma Sim se fait ça. Et bien sûr, les petites pâtes. Alors n'hésitez pas à me dire si je prends plutôt des petites comme ça, ou j'ai carrément les vrais macaronis. On va carrément faire ça, en fait. Mon moment préféré de la vidéo. Ah bah ça, ça m'étonne pas. Vous savez très bien que j'avais déjà essayé de faire une recette de macaroni cheese sur ma chaîne YouTube et ça avait totalement foiré. C'était dégueulasse, c'était hyper pâteux, etc. Parce qu'il me semble que j'avais mis de la farine avec de la béchamel et tout. Là, on va pas refaire la même chose. On va juste faire fondre un peu de beurre ou même pas. On va même pas mettre de beurre vu qu'il y a du cheddar et que c'est gras. On va juste faire fondre le cheddar, mettre un peu de crème. Je pense qu'on va faire ça. Ça va peut-être être mieux. Tu as besoin de manger tout le fromage comme ça tellement j'ai faim. Je pensais que ma Sims, quand elle cuisine, elle chante ou pas? J'adore. Regardez-moi ça, les loustiques. On n'a pas fait des petites macaroni cheese, là? C'est pas mal ou c'est pas pas mal? Regardez-moi ça. En vrai, elles ont une meilleure gueule déjà que mes premières macaroni cheese. Hein. Elles sont belles, hein, mec. Elles sont trop bien faites, hein. Mais de ouf. J'aime bien le bruit des pâtes comme ça. Un peu cantine, genre. Bah voilà. Regardez, écoutez le bruit, chut. J'adore ce bruit. T'as goûté? Bah non. Je peux goûter en avant-première? Ma. Sims ou pas Sims, les gars, je vais juste vous montrer ça, quoi. Des bonnes pâtes au fromage. Bon appétit, les petits loustiques. Et à 20h18, je caresse Ptif. Mon chaton, il va être trop content. Allons, Ptif. Je suis obligée de te faire des bisous, c'est ma Sims qui te câline et en plus de ça, aujourd'hui, c'est la fête des mamans et il me semble que t'es mon fiston. Ok, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, elle se fait un café! Oh là 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 là! Mais je vais pas dormir là! Ça va être horrible! C'est quoi cette journée? Oh, jamais de café le soir! C'est la vie que j'ai décidé de mener, hein! Première fois que je bois un café si tard, je pense. Il fait 40 000 degrés. Je suis en train de boire un café, j'ai des suées là, j'ai trop chaud. Et ensuite à 21h23, elle va aux toilettes. Pour de vrai, à cause du café, j'ai grave envie de pisser, du coup je vais aux toilettes. Je suis désolée mais ça s'est privé. Et là qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais monter? Ah, elle va voir Valouze. Vous savez où je vais? Et regardez, je marche même comme ma Sims, elle marche comme ça. Je vais monter? Bah en plus tu vas parler toute seule parce que moi je vais te laisser la caméra. Je parle ici parce que tu es ici. Mais Valouze sera pas là. Forcément, à 22h, chaton, t'es pas là, toi. Mikaboula. Je connais que l'humour, en fait, en sens. Et après, il dit quoi? Ah, tititina. Ah, tititina. Il est 22h. Cette journée, j'ai l'impression qu'elle est interminable. Même moi, à travers toi, j'ai l'impression interminable. J'ai dû faire mille et une choses. Et pourtant, t'es resté 6h au lit. Hein. Et à 22h30, elle va courir. Ah non, elle regarde la télé. Et jusqu'à quelle heure, du coup, elle fait ça? Attends, mais on est sur une heure, là. Quoi? Oh non! S'il te plaît, je veux pas vivre cette journée! Et à 23h56, faire du sport. J'ai quand même peur de faire cette dernière séquence ici. Mais vous savez très bien que ce qu'elle fait ma Sims, là, à 22h30, c'est de regarder la télé. Je vais faire kiffer les week-ends, ma jolie. Un gendarme de 44 ans est retrouvé entre la vie et la mort dans un jardin du village où il habite. Oh, c'est glauque. C'est pas du tout gay là ce que je regarde, les gars. Déjà que ça fait flipper d'être ici, et en plus, moi je regarde des dingueries sur internet en mode ouais, un voisin assassiné et tout. Moi je fais des dingueries, moi je suis une zinzine, moi. 2h54, c'est les dernières minutes de sport, et ensuite cette journée va s'achever. Quittons cette salle de sport qui me fait peur.
Il est minuit, les gars. Du coup, à 23h56, j'ai fait du sport jusqu'à minuit. Voilà, 4 minutes de sport. Eh bien, vaut mieux faire 4 minutes que rien du tout. Journée terminée, j'ai envie de dire ma vidéo qui touche à sa fin. Regardez, il y a même petite bug qui est déjà au petit pays des rêves. Malgré que j'ai pas été hyper active en cette journée, et je clôturerai sur le fait que les journées comme ça, parfois ça fait du bien. C'est vrai que je suis quelqu'un d'hyper active et j'ai pas forcément l'esprit ou l'attention de me dire « Ah bah vas-y, pide, pose-toi pendant 5-6 heures, regarde un film et tout. » Mais franchement, rôle d'expérience, ça m'a fait quand même du bien. Même le fait de jouer un petit peu avec Valouz, d'être avec lui, posé pendant plus d'une heure dans son bureau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. On se retrouve dimanche, donc je vous dis à dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous.